Ouais, salut les démons, ici Devil57 pour un nouveau épisode sur Far Cry 5. Allez, c'est parti pour un tour. Far Cry 5, épisode 5. C'est bien, ça fait 5-5. Non, mais sans blague. Donc, chargement en cours, tout va au calme. J'aurais jamais cru que tout ce merdier nous serait utile. Mais on va pouvoir leur faire mal maintenant. Pas un garage? Merci d'avoir sauvé Folzen, l'officier. Voilà. Génial, parfait. Ah. Ok. Oh putain. Oh bah. Je me suis trompé. Je vais prendre autre chose. Ouais, je vais prendre celle-là. Ils sont là-bas.
change de place. Ouais, vas-y. Je m'occupe du reste. Ok. Là, faut que j'avance. J'ai pas peur. Je les aligne tous jusqu'au dernier. Bloquez-vous ! Merci, officier. Génial. Voilà. Allez, viens. En avant toutes. Non, on y perd plus, hein. En passant. Hein. Libérez là, mon poste. Libéré. On libère un peu, hein, en même temps. Ah, mais sans blague. Voilà. Mais sans blague. Par contre, hop, on va s'en cacher. La volonté du père. Mes hommes viennent te chercher. Nous verrons bientôt. John a bien l'intention d'enfoncer ses crochets dans ta carcasse. Je sais que tu lui as déjà échappé une extrémité okay. La dernière fois, mais ne sous-estime pas ce salopard. D'accord. Terminé.
Voilà. Vas-y, j'avance. Je vais faire le convoi. Vous couvrez, ok? D'accord. Là, il m'en veut. Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est un putain de combat. Debout, hérétique. Ça serait plus simple de la buter direct. Ouais, tu parles autrement? Non, ce n'est pas la volonté du père. Et tu parles du père, mais amène-la à John. Il est prêt à entendre sa confession. Quoi, il se passe quoi? Ok. Te voilà, toi. Non, mais sans blague. Le pouvoir du oui. Ah, le pouvoir du oui, ça n'existe pas. Ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont jeté à terre et j'ai expérimenté la douleur. Encore et encore et encore. Va te calmer. J'ai cru atteindre les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré. Franchement, je n'avais plus peur. Je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. Oui. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. Oh, hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Gary? Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais toujours, je recevais le plus beau don. Et pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on fait. C'est vraiment... Et pour ça, il faut du courage. Hey, tu vas te graver. Tu vas te calmer, excuse-moi, pas graver, mais calmer. Tout leur poids. Et après de souffrance, quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux yeux de... Blague. Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui. Pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés, vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Va te calmer. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier vos fautes. Il s'arrange pas. Non mais franchement, il s'arrange pas. Bon, par qui je commence? Par qui? Oui. Là, on va dire oui. Tu ne la regretteras pas. C'est promis.
Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession se doit d'être privée après. Je ne vais pas te prendre. Toi, je t'aurai. Je vais plutôt te la... Je vais t'ouvrir en deux. Pour déverser tes frayeurs. Quoi ? Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir du oui. Mais il s'arrange pas, hein. Je reviens tout de suite. Ok. Essayez de trouver l'officier, Hudson. Allez, je me calme. Nous pardonnerons pour la peur et la douleur infligées. Ouais, vous acceptez. Tu n'as qu'à moisir. Je me demande combien de temps on va devoir rester sous terre. Faites-moi passer. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, tu as juste à te confesser. À l'est, par contre, disons qu'un excès de grâce peut vite te monter à la tête. Face a créé des anges, mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin.
pas. Ça. Ok. Ramper. Y'a rien. Là, je descends. C'est pas faux dans un sens. Alors, je vais te faire plaisir. Quoi ? Deviens cette colère. Laisse-la emplir ton corps et dévorer ton âme. Parce qu'au bout du compte, tu resteras vide. Attends, toi. Et moi, je serai juste là. Non, mais sans blague. Il t'autorise à sacrifier des vies humaines, sans peine. Allez, allez. Est-ce que tu te rends seulement compte des crimes que tu commets ? Chassez l'hérétique hors d'ici. Laissez-la s'enfuir. Laissez-la se cacher. Peu importe où elle va, Dieu nous aidera à la retrouver. Tu pars. Vous voyez, c'est le pouvoir du oui. Mais t'étais où, bordel ? Ouais. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Ouais, j'étais un peu kidnappé. Que John t'a chopé, j'ai vraiment eu la trouille. Je suis content que tu t'en sois sorti. Je suis désolé pour Hudson. Mais on peut pas faire grand-chose sans la clé de John. Tu vas devoir m'attirer dans un piège. D'accord. La meilleure façon de faire ça, c'est de foutre en l'air la totalité de son opération. Ok. Donc à toi de jouer. Confession terminée.
par voyage. Voyage, voyage. Allez, c'est parti pour un cours. Ton aide à Folzen est précieuse. Tu penses pouvoir m'aider à réparer cet endroit? Non, j'ai réparé ton... Il faudrait complètement taper cet endroit. Officier! Officier! Écoutez un peu. On a un problème. Eden's Gate a créé un monstre. Ils l'ont appelé le Révélator. C'est un véritable char d'assaut. Ils essayent de reprendre les routes. Il y a une patrouille de la Résistance qui se trouve sur son chemin. Ils ont besoin d'aide. Dépêchez-vous! Merci d'avoir chassé la secte. Mais j'aurais besoin de toi pour retaper un peu cet endroit. On peut enfin respirer à Folzen, et c'est grâce à toi. C'est ça que je... Fais gaffe. Et je peux récupérer mes armes. Après j'avais un laser. Que tu te reposes. Un petit truc qui m'énerve. Ça. Petit loup là. Elle est en bas. Par contre, besoin d'elle. J'arrive dès que possible. Ok. Bien, on grimpe. Quoi d'autre en mission? Mais je peux faire la mission annexe. Ok, t'as tout d'accord, j'ai compris. Il faudrait complètement retaper cet endroit. Tu penses pouvoir m'aider à réparer cet endroit? Alors c'est quoi la mission?
J'ai pas atteint mon quota de mort. C'est tout. Un véhicule comme ça, c'est ça. On sait. Leur ravitaillement des tarés va en prendre un coup. C'est par ici. Donc là, j'avance bien. Je bouge. Mettez en ligne de mire. Je te revaudrai ça. Merci, officier. Un cauchemar monté sur roue a foncé droit sur nous. Ok. Tu m'as sauvé. Un contrat de camion a foncé droit dans notre barrage. Ok. Comme ça, je m'en fous. Maintenant, je dois faire quoi? Ça, il va. Les cinq. On a de la compagnie. Allez. Faut pas que ce truc passe! Y'a pas moyen d'arrêter ce truc! Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon dieu! Il est... Je les préfère voilà. Bien cuits! Voilà, ça c'est fait. J'ai entendu l'explosion jusqu'ici. J'en reviens pas que vous ayez réussi. Ouais, voilà. Officiel. Oh merde! Tout le monde a une dette envers vous et on pourrait pas assez vous remercier. Nos routes sont à nouveau sûres et c'est grâce à vous. Ah bah t'as rien. Bon, je sais que Dutch vous a fait cavaler dans tous les sens, mais si vous voulez venir tailler le bout de gras, n'hésitez pas. Merci pour tout, officier. De rien. Les gens veulent qu'on... Voilà, ça c'est fait. À plus, les débiles. Qu'est-ce qu'il me reste? Allez, on voyage. Voyage, je voyage. Nous voyageons, tu voyages. Allez, c'est parti. Content de te voir. Tintin, on n'aurait jamais vu le chef religieux avec un putain de chien. Merde, je suis pas mécontent de te voir. Ouais. Dutch, arrête pas de me répéter que tu t'attaques à la secte. Ouais. Alors, peut-être que tu pourras m'aider. Les cinglés ont attaqué le camping de Silver Lake. On a réussi à les repousser, mais ces connards sont partout. Je suis venu ici pour récupérer mon camion, mais ils ont dû me le prendre. D'accord. Ils m'ont piqué le fossoyeur. Okay. Il y a un M60 monté dessus. Faut qu'on le récupère avant que la secte fasse un massacre partout D'accord. sur son passage. Ils pompent encore plus que moi sur la bière. Avec un peu de chance, les cinglés sont en train de faire le plein. D'accord. Fais un tour à la station de Golden Valley. C'est la plus proche. Ça va plus vite quand on est plus détaché. Merci.
On sait. Allez, c'est parti. Ok, 500 mètres, c'est pas mal. Ok. Ok. Hey, dis-moi, t'as trouvé ma camionnette? Ouais. Tu crois que je me prends au garage? On s'occupera de leur cas ensemble. Brûle en enfer, ratlure! Par là-bas, ils sont là! Allez, j'avance. Au rapport. Et t'es vite, hein? Moi, dès le départ, cette famille ici, j'avais compris que c'était une brochette d'escrocs. Okay. Alors, je leur ai mis la pression. Et là, bam, je me fais taper sur les doigts parce que je suis trop méchant avec Eden's Gate. Alors, je leur ai mis la pression. Et là, bam, je me fais taper sur les doigts parce que je suis trop méchant avec Eden's Gate. Ah bon, à ce point-là? Tu crois ça? Ah, peut-être. Peut-être pas. J'ai pas eu le choix. J'ai dû me préparer à l'inévitable. Alors, je me suis équipé. Assez de bouffe pour tenir des années. Et des filtres pour l'air et pour l'eau. Ça m'a pris des mois, mais j'étais paré. Okay. T'aurais dû voir le regard des gens. Comme bon, à ce si point-là. C'était moi qui allais pas bien dans ma tête. Ah, et peut-être, hein. On va savoir. C'est ce putain de Merle Briggs. Évidemment, la secte est venue s'en prendre à moi. J'ai tout perdu. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le foussoyeur avec toi. Une putain de mitrailleuse à la main, prêt à me venger. Allez, on y va. Cela. Surprise, les bouseux! On va vous faire payer votre péché de connerie! Ça fait des mois que je me prépare! Vous êtes foutus! Faut qu'on détruise tous les réservoirs de gaz! Ça, ouais! Et doucement, doucement. J'ai des centaines de balles rien que pour vous. Je vois encore des réservoirs. Allez. Toute la merde que vous foutez là, vous pouvez oublier maintenant. Ok. Maintenant on peut se casser. Okay.
T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Ah oui! Le mec, je sais pas comment il fait pour survivre. Non mais franchement, il faut là qu'on m'explique. Risque de faire bien plus de dégâts à la secte que moi. Dis bonjour à Dutch de ma part quand tu viens. Ok. Voilà. Force Wire terminé. Ok. Ah, il m'en reste. Magie rapide. Là, j'ai pas mal de missions encore à faire. Hein. Ah, mais sans blague. Ouais, je vais peut-être encore en faire une. C'est bien qu'on ait pris la ville. Ces putains de cinglés cachent. Ton âme est empoisonnée, malade, atteinte d'un cancer. Nous devons exciser. Mais tu refuses mon aide. J'avance là-haut, au revoir. De dire oui. Alors, en attendant que tu changes d'avis, chaque coup infligé à ce projet sera rendu au centuple à tes amis. J'avance bien. Sans blague. Mouraillé. Ouais, c'est parti. Là, ça s'est fait. Ah, mais c'est bon là. Bah, c'est terminé. On est prisonniers. Ouais, quoi. Putain, on est prisonniers. Je vais buter ce fils de pute de John Seed, ça va pas faire un pli. Ouais. Ces cinglés piquer mon avion. Faut que je le retrouve. C'est notre seule chance de nous tirer. D'accord. Je m'en chargerai bien, mais ma femme est sur le point d'accoucher. Ah, bah j'ai félicitations, pas vraiment quoi faire. Façon. Sérieusement, sans cet avion, on est juste foutus. Pitié. Ma famille a besoin de votre aide. Ok. Désolé. Faut que je maîtrise mes émotions. Ouais. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Nick, en fait. Écoutez, je connais cet arrêt. Mon avion doit être au ranch de John Seed. Ok. C'est la seule autre piste assez longue pour lui dans le coin. Je sais, c'est beaucoup demandé, mais j'ai pas le choix, partenaire. Non, verrons. Et ben voilà, c'est la fin. Allez, je vous dis à bientôt.